le faire résonner le nom de Jésus dans ce lieu. Que ce lieu tremble lorsque les enfants de Dieu commencent à chanter, à louer. Alléluia! Jésus nous résonne dans ce lieu. Est-ce qu'on peut faire résonner le nom de Jésus? Jésus nous résonne dans ce lieu. Alléluia! Jésus nous résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Fais résonner le nom de Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Tu peux chanter encore plus fort. Fais résonner le nom de Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Et les murs vont trembler. Que ton nom résonne dans ce lieu. Alléluia. Que les thank you.
pied de la croix, là où tout a commencé. Mes habits de pêcheur, à Jésus j'ai déposé le manteau de la mort qui m'éloignait du Père, qui le cloua au mont calvaire. Jésus m'a revêtu d'un nouveau vêtement, d'un habit de délivrance. Et je chante, je chante, je chante.
encore. Puissant est ton nom. Oh, déclare, déclare, tu fais l'œuvre. Oh, déclare.
table maintenant. Il fait de grandes choses, il fait de grandes choses. Déclare, déclare. Alléluia. Toi le Dieu fidèle. Alléluia. Puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Confesser dans ta vie maintenant. Ta vie en moi. Tu viendras. Alléluia. Oh, l'amour en baissant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, me chercher, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini. Oh, tu me cherches. Que l'ombre des temps sont, ni mon trompe et le vent. Confesse maintenant. L'amour de Dieu envers toi est sans limite. L'amour de Dieu envers toi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes si nombreux sur Internet également. On est en train de réfléchir sur quelque chose quand même de... Il y a un décalage, il faut être vrai. On parle de l'amour incroyable de Dieu qui nous cherche, qui nous poursuit. Et je me dis, mais pourquoi on a du mal alors à... Parfois, on fait juste une petite prière et on ne le voit pas agir. Ou du moins, ça prend tellement de temps qu'on peut se demander, mais Dieu, si tu m'aimes, pourquoi tu... C'est ce décalage, ce délai entre ma prière toute simple, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais sur ton cœur, qu'est-ce que tu lui as demandé, mais Daniel a eu le même problème que toi. Et depuis une semaine, on est en train de travailler là-dessus. Daniel, aujourd'hui, au moment où ce texte est écrit, c'est un papy. Il est certainement sur sa chaise, il a sa vue qui baisse, il a dans cette pièce, il n'est même pas chez lui. Il a été déporté lorsqu'il était enfant. Et toute sa vie, il a intercédé, toute sa vie, il a prié pour que Dieu intervienne pour son peuple, qui est le peuple d'Israël. Et Daniel, alors qu'il est en train de prier, il ne va pas bien. Il ne va pas bien parce qu'il n'en peut plus de ce décalage avec Dieu. Dieu essaye de lui dire quelque chose. Et la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le regarder en ligne, je vous ai proposé ce message, ce que Dieu essaye de te dire. On a un problème de communication parfois avec le ciel et... Enfin, l'ange vient et intervient dans cette pièce où est Daniel. Et l'ange lui dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu. C'est très important de te rappeler, et c'est là-dessus que j'avais conclu la semaine dernière, de te rappeler que l'amour de Dieu te poursuit et te cherche, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas, même quand tu ne le sens pas. Dieu est en train de te chercher. Et il dit, Daniel, tu es un homme bien-aimé de Dieu. Sois attentif aux paroles que je t'adresse et mets-toi debout là où tu es, car j'ai été maintenant envoyé par Dieu vers toi. Ouf, enfin, t'étais où ? Sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi. Dieu t'a entendu et il t'a envoyé du secours. Mais alors pourquoi je ne le perçois pas? Pourquoi je ne le reçois pas? Quelqu'un va juste répéter après moi, cette fois-ci j'ai prié, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Quelqu'un peut dire c'est pas ma faute. Parfois tu peux. Tu te dis, peut-être que Dieu n'est pas intervenu parce que j'ai mal prié. Soyons honnêtes. Des fois tu dis, j'ai pas assez prié. Ou peut-être j'ai manqué de foi. Peut-être que je n'ai pas bien intercédé, peut-être j'aurais dû jeûner. Non, Daniel, cette fois-ci-là, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Dieu essaye de te dire quelque chose et je vais essayer de dire. Alors arrête de ruminer dans ta tête ces pensées. Mais pourquoi, etc. Enlève ces inquiétudes. Ne combats pas contre Dieu. Tu n'as pas d'énergie pour combattre contre Dieu. Et fais la police dans ta tête. Parce que voilà où je vous amène aujourd'hui. Toi, tu es sur la terre et il y a des pensées qui bouillonnent sur la terre. Tu peux faire la police dans ta tête. Dieu, lui, va faire la police dans le ciel. Parce que l'explication, c'est peut-être celle-là. Pourquoi Dieu attend-il aussi longtemps avant d'intervenir? Pourquoi Dieu attend-il aussi longtemps avant d'intervenir? Le retard, cette fois-ci, n'est pas lié à l'être humain, là. C'est pas lié à Daniel, c'est peut-être pas lié à toi. Parfois, c'est lié à l'être humain, mais là, c'est pas lié à l'être humain. C'est un combat spirituel. Grand 1, le délai peut être lié à un combat spirituel. Alors je lis la fin du texte. Il dit, ta prière a entendu, mais le chef du royaume de Perse
s'est opposé à moi durant 21 jours. C'est-à-dire que, comprenez bien, Daniel avait prié, sa prière avait été entendue, et à l'instant même où Dieu a entendu sa prière, il a envoyé un ange. Alors je vais vous parler des anges aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez ce que c'est que les anges ? Les anges, ce sont des autorités spirituelles, et parfois les anges se battent contre des oppositions. Petit 1, les autorités spirituelles peuvent se battre à notre sujet. Nous, on ne voit que ce qui se passe sur la terre. On voit ce qui se passe dans notre famille, on voit ce qui se passe dans notre travail, on voit ce qui se passe dans notre portefeuille, on voit ce qui se passe dans notre couple, on voit ce qui se passe par rapport à notre enfant. Mais on ne réalise pas que ce qui se passe sur la terre a comme un miroir dans le ciel. Et dans le ciel, il y a des combats et il y a des luttes au sujet de ta vie, au sujet de tes enfants, au sujet de ton travail, au sujet de tes finances. Il se passe des choses dans le ciel. Mais toi, tu vois sur la terre. Écoute bien parce que c'est ça qui va te donner tout un sens à ta prière. Je vais te parler des anges. Les anges, nous dit le livre des Hébreux, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Ils ne sont pas physiques comme nous. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Je te parle à toi qui aimes Dieu de tout ton cœur, qui reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as des anges qui taffent pour toi. Tu as au ciel des personnes qui sont là pour toi et qui sont là pour intervenir. Je vais plus loin. Il dit que dans Matthieu, Jésus dit que, il reprend un texte de David, où il est dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. L'ange, il est là pour déblayer tout ce qui arrive sur ton chemin. Et il travaille, et il travaille. Oh, non, vous n'avez pas encore compris. Vous commencez à comprendre. Même moi, j'ai du mal à comprendre ces réalités. Mais les anges sont des protecteurs dédiés au service des enfants de Dieu. Et nous, on ne s'en rend même pas compte. Parce que vous allez me dire, « Pasteur, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu un accident de voiture il y a 15 jours. Il était où, l'ange ?» Vous allez dire, « Oui, j'ai eu un problème. Pourquoi il a permis que mon enfant échoue à l'examen ? Pourquoi il a permis que, voilà, que j'ai cette mal ?» Et du coup, tu vas voir tout ce que l'ange n'a pas fait. Et tu vas râler. Tu vas dire, « Moi, je suis tombé sur un mauvais ange. » Laisse-moi te parler de ce qui va se passer au ciel quand tu vas arriver là-haut. Tu vas arriver au ciel en râlant, en disant ah, « Dieu, finalement j'y suis. Hein. » Et là, il va dire « C'est comme ça que tu prends la chose. Je vais te présenter ton ange. » Et il va te faire chercher ton ange. Et là, ton ange va arriver, il va te voir, il va dire « Oh non, pas elle. Elle m'a donné trop de soucis. Jamais contente. » Quand il va te voir arriver, toi, le colosse, l'ange, il va arriver et dire « Non, 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 ce monsieur-là, je le connais. J'ai taffé pour lui, j'ai travaillé. Il faisait que crier dessus et pourtant, j'étais là. » Quand un bus est arrivé et qu'il n'avait pas regardé, il n'y avait pas le piéton là, il a commencé à traverser. Le bus s'est arrêté à 10 cm. Il a dit « Ouf, j'ai eu de la chance. » C'était moi la chance. Oh, je ne m'appelle pas la chance, je m'appelle un ange. Et il y a plein de fois comme ça où Dieu a fait venir un ange et tu t'en es même pas rendu compte parce que tu n'as pas eu de problème. Alors tu vois toutes les pierres que tu as heurtées, mais tu ne vois pas toutes les pierres que tu n'as pas heurtées parce qu'un ange a déblayé. Peut-être tu avais 4 ans, tu étais dans la piscine, tu avais plongé, tu étais une petite fine, petite gamine magnifique et tu ne savais pas nager. Et tu étais en train de te noyer, mais tu as oublié parce qu'à 4 ans, tu as oublié. Mais à ce moment-là, tu sais juste, tu te rappelles juste un truc, c'est que comme par hasard, t'as touché le bord d'un coup. Moi, je te dis qu'il y avait un ange qui a fait un plongeon de malade qui t'a porté et qui t'a ramené à la surface. Alors oui, oui, mes amis, les anges ne font pas tout et parfois, ils n'arrivent pas. Parfois, ils ont même du retard. Parfois, il y a même des délais. Mais ne dites pas que les anges ne travaillent pas. Parce que je peux te dire que Jésus répète, à chaque fois qu'il y a un petit qui souffre, les anges sont percutés par cela. Regardez ce que dit Jésus. Il dit, faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les ciels sont continuellement en présence de mon Père céleste. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des anges qui sont dédiés. Un jour, je vais arriver là-haut
Et il va me dire mon prénom et moi je vais apprendre le sien. Et tu vas te rendre compte de toute la grâce de Dieu. Ça change tout, mes amis. Quand tu réalises ça, ça change toute ta façon de prier. Et cet ange dit, tu sais, j'ai travaillé pour toi, Daniel, mais j'ai pris un gros combat. J'ai pris un combat. Vous savez, les anges ne sont pas seulement là pour des protecteurs, ce sont également des guerriers. Parce que les anges ont des ennemis. Et les ennemis, ce sont des anges déchus, nous dit la Bible. Des anges qui avant servaient Dieu et qui ont fait partie de la révolte avec Satan. Vous savez que Satan était un des chefs anges au ciel. Et quand Satan a basculé pour devenir en opposition à Dieu, il a embarqué avec lui des anges déchus. Et ces anges déchus, aujourd'hui, on les appelle les démons. Et ces démons-là, ils sont déchus, c'est-à-dire qu'ils sont tombés du ciel et ils sont arrivés dans un espace... Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours scientifique. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des réalités spirituelles et il n'y a pas que des réalités terrestres. Les anges déchus sont tombés dans un espace qu'on a du mal à définir, mais qui a... C'est pas complètement la terre, mais c'est pas non plus le ciel là où ils étaient. Et il y a des puissances, des autorités dans les lieux célestes qui s'opposent en permanence au projet de Dieu. Et ils sont là et ils font un travail terrible. Les démons sont là, ils sont organisés de façon militaire. Et voici ce que j'entends, c'est le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et mes amis, on n'est pas en train de parler d'un humain, on n'est pas en train de parler du roi de Perse. On est en train de parler d'un démon gradé, un chef au niveau de la hiérarchie, mais cette fois-ci de la hiérarchie démoniaque, qui est très haut et qui protège, entre guillemets, l'autorité de Satan sur la Perse. Et quand Daniel, qui habite là, il a demandé l'intervention de Dieu au niveau de la bulle de la Perse, le démon ne voulait pas que l'ange de Dieu vienne intervenir pour soutenir Daniel. Alors il s'est opposé et lui a fait perdre du temps. Écoutez bien, Satan n'a pas possibilité de briser les projets de Dieu, mais il a la possibilité de les retarder. Et pendant ce temps-là, il va falloir que tu restes calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parce que l'ange est en train de travailler pour toi, mais il affronte une autorité. Et il affronte une autorité qui va entraîner un retard. Petit 2, le retard. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, cette fois-ci des anges, côté céleste, est venu à mon aide et je suis resté là près du roi de Perse. Bon, ben, en fait, l'ange de Daniel, il s'est fait bloquer. Il s'est fait bloquer, il ne pouvait pas passer. Parce qu'il n'avait pas une autorité capable de vaincre le démon contrôlant la Perse. Mais Dieu a du coup envoyé l'armée de secours et il a envoyé un général contre un général. Et il a envoyé Michel. Vous connaissez Michel ? C'est marrant parce que c'est un nom qui nous dit quelque chose. Ben oui, quand vous connaissez un petit peu la Bible et puis l'histoire après, notamment dans l'Église catholique, nous parle, parce qu'elle a repris cela, de l'archange Michel. Vous allez au Mont Saint-Michel. Et au Mont Saint-Michel, vous voyez quoi ? Vous voyez un ange protecteur. Et effectivement, la Bible nous parle plusieurs fois d'un big chef au niveau de la hiérarchie céleste qui s'appelle Michel. Et Michel, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le démon et il a dit à l'ange de Daniel, vas-y, fonce, Daniel, il attend là 21 jours, il n'en peut plus, tu fonces, moi je m'occupe de l'autre. Et ça a cogné. Et ça a cogné. Paul nous dit, écoutez bien, arrêtez de croire que vous avez à lutter contre des êtres humains, mais vous avez aussi à lutter contre des puissances, contre des autorités, contre des souverains du monde des ténèbres. Donc il y a bien un monde des ténèbres autour. Vous savez, cette terre, elle fait partie de la création déchue de Dieu. Et Satan, il y est bien installé. Et oui, il est le prince de ce monde. Et il met en place des autorités qui taffent pour lui. Et qui nous pourrissent la vie. Et qui permettent qu'il y ait des atrocités qui se passent sur la terre. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe dans le ciel précède ce qui se passe sur la terre. Vous allez me dire, qu'est-ce qui te permet de dire ça?
La terre visible est un miroir de l'invisible. Et dans l'invisible, il y a des combats. Et je vais vous dire, c'est pour ça que Jésus, quand il vous demande de prier, qu'est-ce qu'il vous demande de dire ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Parce que ici, là, ce n'est pas le règne de Dieu. On veut que le règne de Dieu, que l'autorité qu'il a au ciel, que ce qui se passe au ciel descende sur la terre. Je veux que ce que Dieu a décidé là-haut arrive dans ma famille. Je veux que ce que Dieu a décidé là-haut arrive dans mon travail. Je veux. Et du coup, je prie et je lui dis, descends. Fais descendre ton autorité sur la terre. Traverse cette couche des ténèbres et viens faire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme tu le veux au ciel. Tu me passes la couche là. Et je veux faire ça chaque matin, chaque soir avant de m'endormir. Je veux vivre dans un bon miroir du ciel et pas dans un miroir de cette espèce de truc globuleux là, du monde des ténèbres. Mais il ne faut pas croire qu'il n'existe pas, il existe. Il est dit, les souverains du monde des ténèbres en cosmocrator. Vous connaissez le mot cosmos. Cosmos, ça a donné le mot univers, le mot monde, le cosmos. Krat, ça a donné le pouvoir, les autocrates, quelqu'un qui a le pouvoir tout seul, les dictateurs. Mais on peut dire aussi les démocrates, ceux qui, normalement, quand le pouvoir est au peuple. Krat, ça veut dire pouvoir. Cosmocrate, celui qui a le pouvoir sur une espèce de une zone d'univers. Pas de bol, Daniel. Ton ange a tapé un costaud. Ton ange a tapé un costaud. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros problème. Et du coup, il dit, mais sais-tu pourquoi ? Du coup, l'ange essaye de lui expliquer. Est-ce que ça parle à quelqu'un en cet instant ? Tu vois, des fois, on se trompe complètement sur la raison du délai. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, Daniel ? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. C'est-à-dire que l'ange lui dit, écoute, bon, là, j'ai un peu de retard, pardon, hein, bisous, mais je dois repartir là. Je dois bâtir, repartir parce que Michel, il est encore en train de se battre là, contre le chef de la Perse. Je repars là-haut et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura réussi à vaincre cette autorité spirituelle de la Perse, mais il y a un autre qui va arriver. Et il viendra de l'autorité de la Grèce. C'est génial parce que c'est... On est... Et quand est-ce que ce livre est écrit ? Ce livre est écrit en moins 536. À l'époque, la Grèce, c'est des confettis. À l'époque, la Grèce n'est pas du tout unie. C'est l'époque où les cités grecques se fracassent, où il y a Sparte d'un côté, où il y a Athènes de l'autre, où il y a Mykonos de l'autre. Et à l'époque, la Grèce, c'est nul. Mais déjà, Daniel reçoit cette révélation qu'il y a comme une autorité spirituelle qui est en train de se mettre en place au-dessus de la Grèce. 200 ans avant que la Grèce devienne unie, 200 ans avant, dans le ciel, il se passe quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, le ciel précède la terre. Pendant 200 ans, les légions de démons sont déjà en train de préparer pour qu'il y ait un royaume qui arrive. C'est fou, hein ? Vous êtes toujours là ou ça ? Le pasteur Yvan, il est devenu bizarre. Non. C'est juste un texte qui est comme ça. Il va plus loin. Il dit cependant, ce que je veux t'annoncer, ce qui est écrit dans le livre de vérité. Vous avez déjà entendu parler du livre de vérité ? Moi, je n'ai jamais vu ça dans l'Ancien Testament. Le livre de vérité, c'est-à-dire que les anges ont accès à un livre auquel je n'ai pas accès, moi, dans lequel ils ont comme leur feuille de route. C'est comme si leur programme est décrit et c'est comme si Dieu leur dit, attention, il va y avoir d'abord un royaume de Perse, mais après il va y avoir un royaume de Grèce. Donc préparez-vous, etc. C'est waouh ! Vous savez ce que dit la Bible ? La Bible nous dit que les anges, ils aimeraient parfois plonger leurs yeux dans le livre que l'on a. J'ai envie, mais nous, on a envie de plonger nos yeux dans le leur. C'est des mondes, en fait, et des réalités spirituelles. Je continue. Et il dit, cependant, donc ce que je veux t'annoncer est écrit dans le livre de vérité, personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Michel, c'est pas ton boss à toi ? Parce que moi, Daniel, je suis humain, là. Pourquoi, là, tu me dis que Michel, c'est notre chef, votre chef ? Bizarre, ça. Les amis, les anges, là,
C'est vos boss ou bien ce sont vos serviteurs? Eh oui. C'est-à-dire que l'ange qui prend soin de Daniel, il se considère comme inférieur à Daniel. Parce qu'il a été envoyé par Dieu pour le soutien de Daniel. Oui, oui, oui. Non, vous ne comprenez pas l'autorité que vous avez. Jésus dit, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, surtout de la puissance de l'ennemi. Vous devez vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie et parce que les démons vous sont soumis. C'est-à-dire, non, non, il y a quelqu'un qui devrait comprendre. C'est arrête d'avoir peur des démons. Déjà, un, c'est les anges qui les attaquent, c'est pas toi. Hein? Donc merci Seigneur pour ce combat-là, c'est pas ton combat, c'est le combat des anges. Merci. J'ai déjà assez de problèmes sur la terre comme ça. Voilà. Mais je sais que ma prière est tellement efficace que quand je fais venir le ciel sur la terre, il y a des anges qui se mettent en place pour pouvoir attaquer, combattre et avoir la victoire sur ceux que sont mes problèmes sur la terre. Et ça, c'est merveilleux. Wouh ! Bon, vous allez me dire, mais pasteur, c'est chouette ça. Daniel, il a su à l'avance des choses qui concernaient même l'Empire grec. Il reçoit la parole en 536, alors que Alexandre, ça sera en 330, c'est-à-dire 200 ans plus tard. Mais vous savez, quand Dieu vous donne une révélation de l'avenir, c'est difficile à gérer. Alors j'ai une petite question, je m'arrête là, je vous regarde vous en face et toi qui es dans la salle. Qui aimerait connaître l'avenir? Levez la main. Qui aimerait que Dieu vous révèle l'avenir? Il n'y a pas de mal, vous pouvez lever la main vraiment, pas faire juste... Qui veut vraiment que Dieu lui révèle? Ok. Qui, à l'inverse, dit « Non, moi, non, vraiment, non. Sans façon, non. » Vous comprenez que c'est compliqué pour Dieu, hein? Il y a moite-moite, là. Vous savez pourquoi ceux, ils ont dit non, les autres? Parce qu'ils disent « Ah non, si c'est pas bon, je ne veux pas savoir. » Non, non, vraiment, là, je prends comme ça vient. Et puis tout meilleur, il y a marqué, à chaque jour suffit sa peine, et il y en a déjà beaucoup, alors là, non, non, là, je ne veux pas savoir. C'est vrai que le prophétique, c'est-à-dire être capable d'avoir des révélations sur ce qui est et ce qui sera, sur l'avenir, c'est difficile à gérer. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que quand Dieu nous en parle, on a du mal à comprendre et on fait des erreurs dans le timing, dans la chronologie. Petit 2, les erreurs humaines liées à... On a du mal à comprendre la chronologie. On a du mal à comprendre la chronologie. L'ange lui dit... Alors, vous voyez, on était dans le chapitre 10. Le chapitre 10, il a été coupé de façon arbitraire, mais en fait, le chapitre 10, il continue dans le chapitre 11, c'était le même texte. « Moi, de mon côté, dit l'ange, je me suis tenu auprès de lui, donc auprès de Michel, la première année de Darius le Mède, pour le soutenir et l'appuyer. » Ça vous dit, ça vous parle ou pas? Alors, je vais vous dire une chose. Quand il y a un texte de la Bible qui ne vous dit rien, parce que moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, bof, et alors? Ça veut dire que je n'ai pas compris. Et il y a peut-être un sens à creuser. Et en creusant, je me suis rendu compte d'une chose. Quand est-ce que le peuple d'Israël a été libéré de Perse? Quand est-ce que Néhémie et Esdras ont eu l'autorisation de repartir pour construire le temple de Jérusalem? La première année de Darius le Mède. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'en fait, il est retourné auprès de Michel et il dit à Daniel, « Daniel, je vais te dire une chose, c'est qu'il y a quelque temps, la première année de Darius, le Mède, avec Cyrus qui est arrivé, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai taffé pour que ton peuple il puisse aller rebâtir la muraille. Et ce qui a été décidé dans le ciel est arrivé sur la terre. » Mais ça nous a coûté pour que tu sois libéré. Tu as prié, tu as intercédé. Et Dieu a libéré le peuple. Et tu ne savais même pas que c'était nous qui étions derrière tout ça. Et il continue et il dit. Maintenant, donc, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois de Perse, trois grands rois. Ils seront suivis d'un quatrième qui amassera beaucoup plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Et lorsqu'il sera au fait de sa puissance, au sommet de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Est-ce qu'il y a un historien qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, 200 ans après que ce texte soit écrit, c'est écrit. Il y a un roi qui s'appelait Xerxès Ier, que tu as peut-être étudié à l'école en classe de 6e des fois, où Xerxès Ier a envoyé ses légions
pour essayer de conquérir la Grèce. Et c'est là où il y a eu la fameuse bataille des Thermopyles, etc. Où vous avez entendu des Spartiates, des combats héroïques. Et l'armée grecque a résisté, on ne sait pas comment. Et quelques temps plus tard, ah ben non, c'est marqué, on va lire. Mais là-bas, verset 3, s'élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un vaste empire et fera ce qu'il voudra. Donnez-moi son nom. Alexandre le Grand. Au moment où Daniel écrit ce texte, il est en train de décrire Alexandre le Grand. Vous savez, l'avantage du prophétique, l'avantage des révélations de Dieu, c'est pas pour vous, c'est pour celui qui la reçoit. Écoute bien, je répète. Pourquoi c'est important de rechercher à donner des prophéties? La Bible dit aspirer aux dons spirituels et aux dons de prophétie. Je crois que ça peut être formidable quand les chrétiens demandent à Dieu, « Dieu, donne-nous des révélations. » La révélation, ce n'est pas pour toi. La révélation, c'est pour faire du bien à quelqu'un d'autre que toi. Comme ça, tu ne vas pas manipuler. Tu n'es pas censé prendre une taxe au passage. La révélation prophétique, elle est pour le bien de quelqu'un qui la reçoit. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie les autres et les aide à grandir. Vous savez ce que Daniel a fait là? En ayant reçu cette pensée prophétique, il va écrire les choses. Et il y a l'historien Flavius Joseph qui va écrire cela au 1er siècle après Jésus-Christ. Flavius Joseph écrit cela. Il écrit parce que c'est une histoire qui a marqué tout le peuple juif. Il parle du moment où le grand Alexandre le Grand a conquis la Palestine. Il revient d'Égypte. Alexandre le Grand vient de conquérir l'Égypte. Alexandre le Grand, avec ses armées gigantesques, remonte. Dans quelques temps, il va partir jusqu'à l'Indus, en Inde, où il va conquérir le plus grand royaume de la terre connu à l'époque. Et Alexandre le Grand s'avance et Alexandre le Grand arrive à Jérusalem. Et on lui présente quoi? Et on lui présente le livre de Daniel. Et voici que Alexandre va lire le chapitre 11 que nous sommes en train d'étudier en cet instant. Et voici, on montra le livre de Daniel à Alexandre, où il était annoncé qu'un Grec viendrait détruire l'empire des Perses. Et le roi, pensant que lui-même était par là désigné, se réjouit fort. La prophétie que Daniel a reçue va transformer l'attitude d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand avait prévu certainement de raser Jérusalem à ce moment-là, mais Alexandre le Grand, à la surprise de tous ses généraux, va se prosterner devant le souverain sacrificateur en disant « Je reconnais qu'il y a un Dieu dans le ciel et que votre Dieu est puissant » parce qu'il avait écrit que j'arrivais. Donc la prophétie, ça édifie, ça console, ça exhorte à ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas pour votre usage personnel. Je rêverais que dans cette église, on se mette les uns les autres au service. Moi, je n'ai pas envie que tu reçoives une prophétie juste pour toi. Ce n'est pas bon, ça. Seigneur, aide-moi à prier pour ceux qui ont besoin de recevoir de toi. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de Dieu, eh bien alors chacun ici va commencer à chercher. Toi, devant ton écran, tu vas dire, Seigneur, donne-moi, plutôt que simplement me parler à moi, aide-moi à pouvoir être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Waouh ! En tout cas, Alexandre va recevoir cette pensée, nous dit Flavius Joseph, et va modifier son comportement suite à la prophétie de Daniel. Vous allez me dire, c'est génial la prophétie. Oui, c'est génial pour plusieurs choses. C'est génial, pourquoi c'est important, l'importance de la prophétie ? Parce que ça réduit l'incertitude. Tous ceux qui ont levé la main en premier tout à l'heure, et peut-être toi devant ton écran qui dit « Ouais, moi j'aimerais bien », parce que quand tu sais, bah, du coup, tu as moins d'incertitudes. Donc pour ceux qui aiment bien maîtriser les choses à l'avance, ça diminue votre stress. Pas pour tout le monde, le deuxième groupe, non apparemment. Mais le premier groupe, ça diminue votre stress. Deuxième avantage, c'est que ça vous permet de mieux vous préparer, d'anticiper, de pouvoir... Quand vous avez déjà pris une route, vous êtes plus tranquille. Quand vous êtes déjà passé par un chemin, vous maîtrisez. Vous savez là où il y a des embouteillages, vous connaissez la meilleure sortie. Pour ceux qui font des jeux vidéo, la première fois que tu joues à un jeu vidéo, tu te fais ratatiner. On t'appelle noob. C'est pour tous ceux qui ont moins de 20 ans, vous comprenez ce que je veux dire.
t'es un débutant, t'es un nul. Mais dès que tu commences à avoir quelques semaines, comme par hasard, tu deviens bon. Est-ce que c'est parce que ton cerveau est devenu plus intelligent ? Non, tu as acquis de l'expérience et tu as appris à anticiper. Et le fait, la prophétie te permet d'anticiper, de réduire ton incertitude. Tout ça, c'est génial. Mais, petit 2, la prophétie, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. C'est pour ça que c'est à consommer avec modération et surtout avec une très belle attitude. Parce qu'il y a des fragilités dans le prophétique. Il y a des fragilités dans le prophétique. Le fait de pouvoir avoir des informations qui concernent le futur, ça peut attirer tous les charlatans, tous les truands, tous les manipulateurs, même au nom de Dieu, et encore plus au nom de Dieu. Et malheureusement, dans nos églises, ça manque vraiment de police. La Bible dit que l'un prophétise et que les autres jugent. C'est le seul fois. D'habitude, Jésus dit toujours « ne jugez pas ». « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Même l'apôtre Paul dit « ne jugez pas ». Sauf quand il y a un prophète ou une prophétesse. Là, vérifiez tout. Hein. Parce qu'ils peuvent vous embarquer n'importe où, là. Dans les pires péchés au nom de Jésus. C'est vrai, hein. J'ai tapé, Florent me le disait, et du coup on a fait une recherche sur Google, on a tapé « prophète et évangélique ». Regardez ce qui sort sur Google en numéro 1. Et c'est Créteil en plus. La honte sur nous. La honte sur nous. Il est marqué « un prophète évangélique condamné à 18 ans de réclusion pour assassinat ». Et puis ça continue, scandale, prophète ceci, manipulation financière, prophète cela, abus sur mineurs. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Si un prophète vient vers toi et te dit, je suis prophète, voici ce que tu dis. Oh, tu es prophète, ok. Mais moi, je vais vérifier si ce que tu dis est exact. Vous avez un cerveau et ça ne s'oppose pas. Vous avez la possibilité d'être entièrement spirituel et entièrement raisonnable en même temps. La Bible dit « vérifiez si c'est exact ». Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça console? Est-ce que ça exhorte? Je vais vous dire une chose. Si un prophète parle et que c'est dans son propre intérêt, mettez à la poubelle direct. Si vous voyez qu'il a intérêt à vous dire ça, dégagez! Si vous avez en face un manipulateur. Si moi, là, en tant que pasteur, je viens et dis « j'ai une révélation ». Dieu veut augmenter le salaire du pasteur. Non mais vous voyez, non mais c'est trop gros Yvan, là on te voit arriver. Mais bien sûr que c'est trop gros. Poubelle. Poubelle. Mais si le prophète il vient et te dit, j'ai une révélation, je crois que tu vas me donner ceci et que... Mais non, poubelle. Tu vas rien me donner là. Il ne doit pas se servir. Il ne doit pas se servir. En fait, dans l'Ancien Testament, il y avait une confusion. Parce qu'évidemment, Élie et Élisée, pour certains, ils utilisent des textes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui, là ? Mais le prophète dans l'Ancien Testament, c'était un autre rôle. Il était à la fois prophète, à la fois apôtre, à la fois docteur. C'était même pas les mêmes caractéristiques. Et puis, il n'y avait pas le Saint-Esprit, comme il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tous. Il s'est passé quelque chose de nouveau à la croix. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes appelés. L'apôtre Paul dit, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent en langue? Eh bien, moi, j'aimerais qu'il y ait ça parmi vous. Et oui, mais on a laissé là, des fois, des personnes qui ne sont pas équilibrées et qui prennent un rôle qu'ils ne devraient pas prendre. Il faut qu'il y ait de la sagesse dans le peuple, là. Mais vous n'osez pas. Des fois, je n'ose pas. Seigneur, pardonne-nous pour tous les personnes comme cela, là, je dois être plus sage. Il ne s'agit pas de casser les prophètes. Parce que, en même temps, maintenant, je parle de moi, je parle de toi. Le jour où tu donnes une prophétie, tu as peur de te tromper. C'est super, super compliqué. Dans quelques instants, j'ai demandé à Emmanuel Oyono, pourquoi j'ai demandé à elle de venir? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont donné des paroles vraies, qui se sont réalisées, mais elle m'a donné une pensée de Dieu. Elle a eu peur de le faire, mais c'était vrai. Alors du coup, je l'invite aujourd'hui parce qu'elle est fiable. Amen. Et franchement, les prophètes fiables, c'est agréable. Amen. J'ai cherché, hein. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Des prophètes fiables. Heureusement qu'il y en a. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas des prophètes. Au contraire, il faut plus de prophétesses et plus de prophètes, mais fiables.
Et la fiabilité, elle est possible quand on enlève trois biais. Il faut toujours être au courant de trois biais dans la prophétie. Le premier biais, c'est qu'aucun prophète, aucune prophétesse n'a une connaissance totale. Écoutez bien ça. Un prophète, une prophétesse, ce n'est pas la Bible. C'est une révélation partielle. Partielle. Le premier biais, c'est une connaissance partielle. Même le meilleur ou la meilleure des prophètes, des prophétesses, n'a pas toutes les infos. Donc, il va manquer des informations, sûr et certain. Ce n'est pas Dieu. C'est un être humain au travers lequel Dieu parle, mais il y a donc obligatoirement des manques. Première chose. Ouais, mais il y a des informations, ça peut être déterminant. Deuxième biais, le biais émotionnel. Parce que monsieur, madame qui apportent le message ont des émotions. On peut être vrai un instant. Combien de fois vous avez entendu une dame qui apporte un don de prophétie, mais le jour où elle s'est embrouillée avec son mari dans la voiture, la prophétie, ça sort. Ça tire à la Kalachnikov. Parce qu'en fait, elle est juste énervée. Et tout le monde prend parce que, soi-disant, elle n'a pas géré son problème avec son conjoint, là. Ou à l'inverse, parce que monsieur vit une période très difficile et qu'il est très déprimé. Du coup, c'est comme si tout, ça, tout ce qu'il reçoit va être triste. Parce qu'on est des êtres corps, âme et esprit. Et du coup, si notre corps souffre ou si notre âme souffre, quand on arrive au niveau de l'esprit, eh ben, c'est forcément influencé par notre corps et notre âme. Et du coup, j'ai envie de dire, quand le prophète est en forme, ben, la prophétie elle est en forme. Et quand il ne l'est pas, ben... Donc attention au biais émotionnel. Si vous êtes amené à donner une pensée de la part de Dieu à quelqu'un, je vous ai dit le premier truc, vérifiez que vous n'y avez aucun intérêt. L'Église primitive appelait ça la règle de l'adidaké. On n'a pas le droit de prophétiser quelque chose si on y a personnellement un intérêt. Deuxièmement, vérifiez bien que vos émotions sont stabilisées. Si tu es dans une période où tes émotions sont comme ça, tu dis Dieu utilise quelqu'un d'autre pendant cette période, parce que là ça va être compliqué. Troisièmement, le dernier biais, c'est le biais temporel. Vous êtes là ou pas? Est-ce que je peux vous faire sourire un peu? Est-ce qu'on peut se moquer de nous? Parce qu'on est toujours sérieux, et les choses de Dieu, c'est très sérieux, mais des fois, avec un petit peu d'humour, tout le monde, Jésus le faisait énormément, on peut faire passer des vérités. Et la vérité que je voudrais vous dire, c'est que le problème du prophète, c'est que s'il voit quelque chose dans l'avenir, plus ce qu'il voit est lointain par rapport au moment où il le reçoit, moins les mots qu'il a sont adaptés. Avant de voir un extrait, je vous donne cet exemple. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de bêtes qui sont des dragons ou des choses bizarres, qui crachent des boules de feu. C'est comme s'ils ont des roues. Moi, je me demande franchement si ce n'était pas des chars soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'à l'époque, Jean, l'apôtre, quand il est enfermé dans l'île de Patmos, il n'a jamais vu ce que c'est qu'un char avec des chenilles. Et donc, il va dire « c'est un dragon roulant qui crache du feu ». Mais il n'a pas les mots pour le décrire. Vous comprenez l'idée? Et plus une scène se passe lointain, dans le lointain, moins elle est bien décrite. Je suis toujours sur Daniel. Après, on va voir l'extrême des visiteurs. Mais Daniel, il a été super bon pour décrire le royaume de Babylone. C'est normal, il avait vécu. Il n'a pas besoin d'être un grand prophète pour bien décrire quelque chose de passé. Donc Daniel dit, je vois un lion, etc. C'est le premier royaume. Vous lisez ça dans Daniel 7. Dans Daniel 7, il dit « Et je vois un deuxième royaume qui va remplacer le lion. C'est le royaume de l'ours. » Et là, il est en train de décrire le royaume de Perse, de l'an 530 à l'an 230, environ 200 ans. Et après, il dit « Je vois une troisième bête. » Cette troisième bête, c'est comme un léopard qui surgit. C'est comme quelque chose d'incroyablement flexible qui se répand. Et ça sera le royaume de Grèce avec Alexandre le Grand. C'est génial, il a tout écrit. Et après, ben après ça commence à être loin, quoi. Alors il dit, je vois une bête. Il n'est plus capable de nommer la bête, parce que c'est trop loin dans le temps. Il dit, c'est une bête avec du fer, des ongles de bronze. Elle est différente de tous les autres. Elle est extrêmement terrible, il n'arrive plus à la décrire. Moi, je suis persuadé qu'il est en train de parler du royaume de Rome, en fait. Sauf que là, maintenant, il y a 400 ans de différence. Et là, il est un peu trop loin, donc il n'a plus les mots pour décrire.
Plus un prophète ou une prophétesse est en train de décrire quelque chose qui se passe dans le longtemps, moins les mots sont adaptés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ? Est-ce que vous n'avez pas été troublé comment en lisant Matthieu 25 ? Dans Matthieu 25, les disciples disent à Jésus, « Waouh, c'est magnifique ! Le temple est magnifique ! Regarde ce beau temple de Jérusalem !» Jésus se met à pleurer et il dit, « Moi, je vous dis une chose, il n'y a pas une pierre qui va rester sur une pierre, tout va être rasé ici. » Et les disciples lui disent, « Mais quand est-ce que cela va venir ?» Et du coup, Jésus leur explique, et leur dit, voici que les femmes qui accouchent prient pour que ça n'arrive pas à un moment, etc. Parce que ça va être l'horreur, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y aura des fléaux, etc. Et il y a toute une tirade, et il termine en disant, cette génération ne passera pas avant que cela ne commence. Mais du coup, en même temps, dans Matthieu 25, vous avez ce qui s'est passé en l'an 70 avec Titus quand il a rasé le temple de Jérusalem. Mais toujours dans le même chapitre de Matthieu 25, vous avez des choses qui concernent probablement le Moyen-Âge. Toujours dans Matthieu 25, vous avez des choses qui concernent, il y a des versets qui concernent probablement l'émergence d'Internet, parce qu'il dit « il faut que l'Évangile soit annoncé aux extrémités de la terre et partout dans le monde ». Et c'était absolument impossible jusqu'à ce qu'on découvre les nouvelles technologies. Et puis après, il dit, et après viendra la fin. Et du coup, les premiers disciples, eux, ils n'arrivaient pas à dater. C'est ça que j'appelle le biais temporel, parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir que cette période est là. Alors, on regarde tout de suite ce qui se passe lorsque vous envoyez un serviteur du Moyen-Âge et que vous le projetez dans les années 2000. Ça donne quelque chose comme ça. Si quelqu'un se reconnaît, c'est que vous êtes un prophète qui a un problème de biais temporel. C'est la première fois que Jacouille, la fripouille, découvre une route goudronnée. Et c'est compliqué. Oh, pourquoi ça pue ? Mais il est fou, dit ! Un sarrasin! Messire! 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 Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! C'était malade. C'était malade. C'était malade. C'était malade. C'était malade. Quelle famille appartient cet écu ? Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. C'est compliqué lorsque Dieu te révèle des choses que tu n'as pas encore vues. Parce que tu es capable de confondre le postier antillais et un sarrasin. Parce que tu n'en as jamais vu. Et c'est pour ça qu'à la fin, Daniel dit, franchement, Ange, j'ai l'impression que je ne comprends rien. Alors je termine en cet instant, comme Daniel a terminé. Et Daniel se dit, j'ai entendu, mais sans rien comprendre. C'est incroyable. Daniel, il a prié pour qu'un ange vienne lui parler, et une fois que l'ange lui parle, il ne comprend rien. C'est des fois, Dieu ne te parle pas, parce que s'il te révèle les choses, tu ne pourrais pas comprendre. Je sais que vous n'aimez pas ce que je vous dis. Mais Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Il te donne exactement le pain de ce jour quotidien. Il ne donne pas le pain de demain.
et donne le pain dont tu as besoin. Arrête de crier, arrête de t'énerver. Parce que s'il te révèle trop l'avenir, tu ne vas même pas comprendre. Il dit, Daniel, j'ai entendu mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ? Il me répondit, vas-y Daniel, ces paroles sont tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au jour de la fin, depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée. Il y aura 1290 jours. Et là, Daniel, sa prière, c'était qu'est-ce qui va arriver à mon peuple juif ? Et même là, il a du mal à comprendre. Mais l'ange est en train de lui parler de la destruction du temple de Jérusalem et de la profanation avec Antiochus et Épiphane. Mais il ne maîtrise pas. Comme toi, tu ne maîtriserais pas si Dieu t'expliquait tout. Alors sois juste dans la bonne attitude. La bonne attitude, c'est laquelle ? Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. En fait, la bonne attitude, c'est tu marches jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à la fin, tu ne t'inquiètes pas, tu traces ta route. Il y a des choses qui se passent sur la terre, ça tu peux gérer. Là, tu gères. Fais la police ici. Je parle à mon âme et je lui dis, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi. Il y a des anges à tes côtés. Papa, je retrouve ma paix. Mes pensées, je vais faire le ménage et je vais combattre dans mes pensées. Mais ce qui se passe dans le ciel, je crois que tu as toute autorité. Et ma seule prière, c'est que ton ciel vienne, que ta volonté soit faite. Le reste, ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut, comme Daniel, se mettre debout ? Toi qui es devant ton écran, tu te mets debout maintenant. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu diriges mes pas. Oh, alléluia. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Parce que ce n'est pas mon combat. Tu combats pour moi. Alléluia, Seigneur. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage. En toi, je ne
Est-ce qu'on peut faire ensemble cette prière? On lève les mains vers le ciel. Père éternel, on veut juste te dire qu'on te fait confiance. Voilà, tu es notre Père dans le ciel, ton nom est sanctifié. Ton nom est saint. C'est toi qui diriges, c'est toi le patron. Je te demande une chose, c'est que ici à MLK, dans cette église, je te demande pour que dans la vie de chaque personne qui regarde ce message, de chaque personne qui est là, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie pour qu'il y ait des déblocages spirituels. Lorsque le problème est un blocage spirituel, je te demande l'aide des anges. Et s'il faut faire venir même des archanges pour faire passer, fais passer. Fais passer, Père. Que ton autorité passe. Que ton règne vienne. On veut juste faire venir le ciel sur la terre. Vive dans le miraculeux de Dieu. Seigneur, qu'il y ait des prophètes et des prophétesses parmi nous, qu'il y ait une soif du surnaturel, non pas pour notre gloire, non pas pour qu'on puisse avoir du pouvoir, oh non, juste pour qu'il puisse y avoir une construction, une édification de notre foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Et l'Église dit amen, amen, amen. Vous pouvez vous installer, reprendre place. Et si vous voulez bien, vous allez même juste accueillir avec moi la venue de quelqu'un, comme je vous avais annoncé tout à l'heure. On va mettre les tabourets en place. Elle s'appelle Emmanuelle Oyono. À la base, elle est comptable dans l'église, mais elle fait beaucoup plus que la comptabilité parce qu'elle a eu le courage de me donner un jour une pensée de Dieu. Bienvenue. Installe-toi. Tu vas bien? Je sais qu'elle est stressée et vous pouvez imaginer que vous le seriez à sa place. Emmanuelle, oui. T'aimes pas trop parler en public? Non. Mais je parle parce que je vous aime. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, le nombre d'heures que tu passes pour eux et pour elles sans qu'elles s'en rendent compte. Exactement. C'est elle qui répond à tous les emails lorsqu'on vous avait des fois des problèmes sur les finances en disant « Pourquoi j'ai pas eu mon reçu fiscal ?» et tout. En fait, c'est elle, elle est là. Elle dit « Seigneur, je te prie pour cette personne. » Elle te renvoie. Soyez bénis. Vous ne pouvez pas savoir. Des fois, quand vous écrivez un mail, vous écrivez à une prophétesse, vous ne savez même pas. Faites attention. Bénissez au cas où. Elle est formidable. Je rebondis. Ce n'est pas prévu, mais vas-y, on est en live. C'est une petite anecdote. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour chacun des dons. En fait, les relevés bancaires, je défile. Je prie pour chacun de vos noms. Et je sais que le Seigneur est celui qui pourvoit dans vos vies et qui débloque les situations. Tu pries pour tout le monde, toi? Oui. Tu Une fois, pour... je t'ai dit, tu m'as dit, tu... Mais c'est long, il y a du monde, là. Il y a beaucoup de pages. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Emmanuel. Alors, Emmanuel, waouh. Je ne savais pas ça, moi. Ma question, c'est, je sais que tu es timide par nature. Oui. Alors, je voudrais juste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, des fois, ont reçu une pensée de Dieu dans leur tête, mais ils n'ont pas osé l'exprimer. Comment ça se passe chez toi? Quand tu reçois chez une pensée, moi, explique-moi comment ça se passe dans ta tête. Je prie. Tu sais, une fois, Rachel m'a débloquée, hein, en passant. Rachel Dufour. Une fois, elle m'a dit, quand tu as toutes ces pensées, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je prie. Je prie tout le temps. Parce qu'il faut qu'en fait, que la pensée soit claire et que je ne dise pas n'importe quoi. Et toi, la deuxième personne qui m'avait débloquée, c'était toi. Et tu m'avais dit une fois, Emmanuel, n'annonce pas brutalement à la personne. Du coup... Mais c'était un bon conseil. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce qu'après, j'ai toujours prié, désormais, je prie désormais en disant, Seigneur, donne les bonnes paroles que la personne peut digérer par rapport à ce que tu veux dire à la personne, au message que tu veux donner à la personne. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus simple pour moi. Du coup, au lieu que la personne soit là en train d'absorber quelque chose de très grand, tu vois, la personne digère. Et entre autres, en fait, je peux te... Ouais, tu vas me donner un exemple après. Mais ce qui est intéressant, retenez déjà ce qu'elle vient de dire. Quand vous avez reçu une pensée, des fois c'est tellement lourd sur votre cœur que vous avez envie vite de vous la déposer, quoi. C'est ça. Et ne balancez pas la parole à quelqu'un en disant « J'ai reçu ça de Dieu, ça c'est ton problème maintenant !» Allez-y, cool, soyez doux, soyez doux. Oui, je donne un exemple. Vas-y. Je dors, le Seigneur me dit « Prie pour une sœur dans l'église ». La sœur, je ne la fréquente pas tellement. Je la croise de temps en temps. Et puis, il me dit, tu vas, tu touches, tu poses ta main sur son ventre. J'ai dit, oh là là, je ne la connais pas, Seigneur. Et après, je dis au Seigneur, mais la sœur ne me connaît pas. On ne se connaît pas. Et donc, le Seigneur prépare le terrain. Il fait quoi? Chaque fois que je croise la sœur, je la trouve tellement belle. Je dis, mais qu'est-ce que tu es belle? En fait, je la voyais, elle était vraiment très, très belle. Et ça, moi, je ne savais pas que le Seigneur était en train de préparer le terrain.
Et le jour où j'arrive, et je lui dis, j'ai reçu de prier pour toi. Est-ce qu'on peut se décaler un peu? Elle me dit, OK. Oui, t'as demandé d'abord. Hein. J'ai demandé, mais oui. Non, mais c'est important pour qu'il demande aussi. Ouais, ouais. Faut demander. Il y a des gens qui vont arriver, ils vont, tiens, j'ai reçu une union là. Demandez. J'ai demandé et j'ai dit à la sœur, mais je veux faire quelque chose qui paraît bizarre, mais c'est ce que j'ai reçu. J'ai dit, il faut que je pose ma main sur ton ventre. Je ne connaissais pas la situation de la sœur. J'ai posé ma main et en fait, ça m'a encouragée parce qu'elle s'est laissée faire. Donc du coup, on a prié, on est parti. Moi, après, j'ai loué Dieu. En fait, j'étais en larmes parce que je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné, elle a accepté, merci Seigneur. Le temps passe, je dis, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Et une fois, la sœur me dit, j'ai des difficultés à avoir des enfants. Je lui dis, ah, OK. Et je vois, un an passe, je dis, Seigneur, mais tu m'avais demandé de poser la main. Ça n'arrive toujours pas. Et le Seigneur me dit, continue à prier. J'ai continué à prier pour la sœur. Et chaque fois que je... Tu sais, tout à l'heure, ça m'a parlé. Pourquoi? Parce que soutenir la personne, l'encourager, c'est important. Chaque fois que je la voyais, le Seigneur lui donnait une parole, on prenait le temps dans la prière. Et je vous garantis, mais le jour où ça a été le plus difficile, le Seigneur, je la vois en fait, elle est enceinte. Je la vois enceinte. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu dois aller lui dire qu'elle est enceinte. Je lui dis, OK, mais elle n'est pas enceinte dans la réalité. En fait, moi, je la vois, mais elle n'est pas enceinte. Mais c'est un gros risque. Hein. C'est un gros risque. C'est là où tu m'avais dit, Emmanuel, là, c'est un risque. C'est un gros risque. Ça vient de là. Il faut dire, je pense que j'ai reçu de Dieu. Et j'ai recommencé à poser des questions au Saint-Esprit. Je lui ai dit, bon, je ne peux pas aller lui dire ça comme ça. Oui. Si tu me l'envoies, il faut qu'elle, elle commence à me parler. En fait, je jongle avec le Saint-Esprit. Hein. Parce que pour moi, il ne faut pas que je fracasse quelqu'un en face. Et là, j'ai dit, on va en réunion. On finit la réunion. Moi, j'avais oublié. Et là, elle me dit, Emmanuel, je voudrais te parler. J'ai dit, oh là là. Et le Saint-Esprit me dit, tu as oublié, tu m'as dit de l'envoyer. C'est de beau, te l'envoyer. C'est et beau. Elle arrive, on s'assoit. Elle me dit, je veux te parler. Et je lui dis, non, ce n'est pas à toi de commencer, c'est moi qui dois te dire quelque chose. Et là, je lui ai dit, mais moi, je pleurais, elle pleurait. Je lui dis, je mesure. Parce que tu n'es pas enceinte. En fait, moi, j'ai vu la grossesse. Mais physiquement, ça ne se voyait pas. Physiquement, ça ne se voyait pas. Mais je lui ai dit, on a prié. Et quelques temps après, elle vient me voir et me dit, Emmanuel, je suis allée voir le médecin. Le jour où tu avais dit que j'étais enceinte, le jour où tu as déclaré, la grossesse date de ce jour-là. J'ai dit, en fait, oui. Ah, c'est beau, hein. Et curieusement, et comme Dieu fait des grandes choses, aujourd'hui, elle a deux enfants. Et j'ai croisé sa mère récemment, reçu fiscal, elle avait besoin. Et ça repart. Et sa mère, elle a entendu parler qu'une Emmanuelle, mais elle ne savait pas que c'était moi. Dieu l'a envoyée. Amen. Et nous avons loué Dieu ensemble. Amen. Le prophétique, c'est génial. C'est bien. Parce que tu vois, alors je reprends toujours ton idée, j'essaye d'aller creuser. Toujours être prudent. Oui. Surtout lorsque vous demandez à une personne qui est en période de... possibilité de vulnérabilité. Oui. Là, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est une souffrance. Quand vous parlez à quelqu'un qui est en souffrance, vous devez être d'autant plus prudent. Exactement. Pour ne pas utiliser la vulnérabilité de la personne. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment lui dire, voilà ce que je pense avoir reçu, mais il faut toujours dire, ma connaissance est partielle. Exactement. Vérifier que, bon, toi, tu avais déjà des bébés, tu n'avais pas de problème, en fait, tu n'avais pas de biais émotionnel. Non, moi, je lui avais dit, je prends le risque, mais en fait, elle n'était pas censée savoir tout le cheminement que j'ai eu avec le Saint-Esprit. C'est vrai. Je disais au Saint-Esprit, si tu poses tel ou tel acte, je saurais qu'il faut que j'avance. Si t'avais mis beaucoup de conditions oui, avant. Oui, je mets beaucoup de conditions parce que c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Mais il y a souvent où il n'y a pas de conditions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper? Me tromper... Non, on est en direct. Hein. En direct, je discute trop avec le Saint-Esprit. Je crois que je suis l'une des personnes qui le... Moi, je ne t'ai pas vu te tromper. Non. Mais pourquoi? Parce que je prends le temps de distinguer entre mes émotions. Donc il y a des fois tu as envoyé à la poubelle. Il y a des fois, oui. Y a des choses que tu n'as pas gardées. Oui, oui, exactement. Parce que tu n'avais pas de... Ça non, durait... ça ne venait pas du Saint-Esprit. Comment tu as su? Parce que, en fait... Mais moi, ça m'intéresse. Oui, aussi. En fait, quand ça vient du Saint-Esprit, c'est clair et c'est posé. C'est linéaire. C'est stable. C'est là, c'est stable. Mais quand ça vient de nos émotions, ça part, ça vient... C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est stable. Donc, il faut une durée de temps oui.
où la pensée reste fiable, exactement, stable et immobile. Et là où, en fait, on est en connexion avec le Saint-Esprit, en fait. D'accord. Parce que c'est lui qui nous... En fait, c'est son message qui veut libérer. Alors, est-ce que moi, j'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un, un jour, t'a apporté un message venant de Dieu? Toi? Moi, quelqu'un m'a apporté... Mais oui. Si, quand même. J'étais petite. T'as été au bénéfice? En fait... Je découvre en même temps que vous, hein. Ce message-là, ce jour-là, quand le Seigneur m'avait déjà, en fait, j'avais déjà, le Seigneur m'avait déjà parlé avant, et quand ce pasteur avait parlé en disant il faudrait que tu serves à la chorale et tout, tralala, j'ai failli lui dire non, c'est pas ce que j'ai reçu, mais je me suis tue par respect, je me suis tue, mais c'était pas ça. Je me suis quand même inscrite à la chorale, mais dans la chorale, il y avait trop de problèmes, en fait. Il y avait beaucoup. La chorale, après, elle s'est disloquée après. Mais c'était. En fait, j'avais reçu. Et j'ai, aujourd'hui, pendant que tu me parles, j'ai su distinguer dès cet instant-là quand ça venait de Dieu et quand ça ne vient pas. En fait, tu peux me dire, je sais très bien que ça ne vient pas de Dieu, je ne reçois pas. J'ai l'impression que tu as plus donné que tu as reçu. Oui. Ouais. Et j'ai aussi reçu parce que. Mais quand même. Oui. Non, c'est à moi de te demander un peu pardon et puis à nous tous. Oui. Parce que c'est vrai que le prophète ou la prophétesse, elle n'y gagne rien. Oui. Et c'est pas juste parce que toi tu prends du risque pour bénir des personnes. Oui. Et j'aimerais qu'on ait une prise de conscience collective là. Oui. Que toutes les fois où on se tait alors qu'on pourrait recevoir quelque chose de Dieu, ben on prive quelqu'un de recevoir. C'est ça. Et moi je en trouve fait, que tu fais beaucoup de bien. Et ça. J'aimerais que tu sois pas la seule, que tu sois pas aussi seule. T'es pas la seule, mais que tu sois pas aussi seule. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi pour dire Père? Utilise-moi. Yvan, je te surprends. Vas-y. C'était ma prière ces derniers temps. C'est vrai. Sarah peut le confirmer. Je lui dis, Sarah, sois mon témoin. À un moment, elle prie pour que le Seigneur active les prophètes dans l'église. En fait, je me lève le matin, je dis, Seigneur. Et en fait, je me rends compte que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et comme ça n'a pas pris beaucoup de temps, je libère, puisque c'est en accord avec toi, Yvan. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. On libère. Parce que c'est quelque chose qui nous a été donné, que le Seigneur déploie sa puissance au milieu de nous. Chacun a reçu quelque chose pour édifier l'Église, pour que l'Église grandisse. Dans les derniers temps, il a dit... Les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et auront des songes. Et nous, on n'a rien, c'est pas normal. Exact. Et en plus de ça, on est en train de grandir et grossir. Si on n'a pas de boussole, parce que le fait de voir les choses, c'est une boussole pour nous, en fait. C'est vrai. C'est quelque chose qui nous permet de nous positionner et de bien comprendre la direction où on va. Amen. Si on n'a pas cette boussole-là, chacun là, nous sommes nombreux, mais on va encore être de plus en plus nombreux. Et là, on a les anges sont là, ils sont à notre service, et c'est une grâce aujourd'hui que nous vivons. Sincèrement, Yvan, je t'assure, hein, c'est une grâce. Amen. Déployons la puissance de Dieu qui est déjà en nous. Restons à l'écoute et restons connectés pour que le Seigneur travaille. Alors ça édifie la prophétie. Ça édifie. Si vous avez reçu une pensée qui ne construit pas l'autre, mettez-la à la poubelle. C'est ça. Ça console. Si jamais vous avez une pensée qui est là que pour casser quelqu'un, mettez-la à la poubelle. C'est ça. Ça exhorte, c'est-à-dire ça lui donne envie de faire mieux. Si c'est à la fin, c'était déprimé et t'as envie d'aller te jeter sous un pont, c'est que c'est pas bon. C'est ça. Donc sélectionnez les pensées, vérifiez avec le temps. Et ça nous protège. Et je fais un dernier témoignage. Je suis allée en Afrique avec les enfants et on avait loué une voiture. À la dernière minute, le chauffeur dit il augmente le prix. Je dis non, on va prendre le car. On est monté dans le car. On a fait Koh Lanta. J'ai dit aux enfants, on va faire Koh Lanta. De toute façon, qu'on prenne un car, qu'on prenne une voiture, c'est pareil. Hein. On arrivera à destination. On est monté dans le car. Mais sauf ce que je ne savais pas, c'est que le car là devait aller faire un accident. J'entre dans le au retour en fait, j'entre dans le car et là je reçois clairement du Saint-Esprit. Vous n'avez pas à être là. Nos bagages étaient chargés. C'était tellement clair et précis que j'ai dit au chauffeur, on descend tous les bagages. Le chauffeur m'a regardé, vous êtes neuf et vous voulez faire descendre tous les bagages. J'ai dit, on descend. J'étais avec l'une de mes tantes, elle m'a dit, tu es bizarre. J'ai dit, on a... Ah oui, oui. Je lui dis, on n'a pas. Les enfants me regardaient avec leurs petits yeux. J'ai dit, mais vous savez quoi, on reste pas là. Et là, j'étais tellement connectée au Saint-Esprit, il m'a conduit. J'arrive. Il y avait plusieurs cars qui devaient partir par la suite. On est allé monter dans le dernier car. Et là, j'ai dit, ah, c'est là qu'on doit être. C'est peut-être machinal, mais aujourd'hui, je réalise
que c'est vraiment pour nous une grâce d'avoir ce don-là, en fait. C'est quelque chose que... Oui, le Saint-Esprit. C'est vraiment une grâce. Et par la suite, parce que c'était instantané, hein, le car part, tout le monde est décédé dans le car. Nous sommes les seuls survivants qui étions montés dans ce car-là, qui sont redescendus, même pas cinq minutes avant la fin. Il y a quelques années. C'est pendant que tu prêchais... Heureusement que tu as su. Mais oui, c'est pendant que tu prêchais que le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur, parce que c'est important. Amen. Et quand on arrive dans le car, du coup, nous, sur la route, on croit ce... je dis aux enfants, vous fermez les yeux, vous ne regardez pas. Et une fois de plus, je pose la question au Saint-Esprit en lui disant, pourquoi pas nous? Et le Saint-Esprit m'a clairement dit, vous n'êtes pas de la race de ceux qu'on sacrifie. C'était clair, net, précis. On n'est pas de la race de ceux qu'on sacrifie. Les sorciers, les... Oui, et Dieu, il parle fort avec les Africains, oui, quand même. Mais même... Moi, il aurait fait comme s'il était... Mais Dieu n'est pas de l'équipe de ceux... Non. Mais Yvon, on est en train de faire... Tu vois, moi, j'aurais fait de la poésie, mais toi, t'es sauvé. Mais Yvon... C'est bon. Yvon... C'est bon. Non, mais t'as raison. T'es bien d'accord, non, je suis d'accord. T'as vu quand le Saint-Esprit... Au final, Dieu t'a sauvé. Quand le Saint-Esprit nous envoie, au front, il est clair, hein. Non, mais je pense que c'est parce qu'on se quitte là-dessus. Il y a quelqu'un que le Seigneur veut encourager, voilà, sûrement. Il est en train de vous dire, mesurez la puissance que vous avez en vous. Ouais. Ce n'est pas une petite puissance. Ce n'est pas une petite. Ah oui. Et c'est vraiment bon. Merci Emmanuel. Je vais m'arrêter. Merci Emmanuel. Et je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'elle a confirmé. Vous avez des anges qui travaillent pour vous. Amen. Vous avez une autorité. Ce sont vos serviteurs. Oui. N'abusez pas, soyez à la hauteur. Prenez conscience de votre statut d'enfant de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. C'est extraordinaire. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. On doit partir. Merci Emmanuel. Merci à toi. Quelle chance on a à MLK d'avoir des personnes comme ça. Merci à vous toutes et vous tous. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont en ligne, on prie pour vous, on est avec vous. Si jamais vous avez besoin, vous écrivez à prière@eglisemlk.fr. Si jamais vous êtes ici en salle, vous pouvez venir sur le devant, on va prier avec vous. Il est important de louer et de célébrer, de pouvoir être ensemble à prier. Je voudrais me dire merci aussi pour chaque personne qui, de son plein gré, sans aucune pression, financièrement dit, je soutiens cette œuvre. Écoutez, on a des gens fiables et sérieux ici qui travaillent. Ne nous punissez pas pour les églises qui font des bêtises. Aidez-nous financièrement, soutenez-nous financièrement. Si un jour on fait des bêtises, on vous le dira, je vous le dirai. De toute façon, il y a trop de gens ici qui ont la liberté, ils le diront. C'est une église de la liberté. La transparence est importante. On est certifié par le commissaire aux comptes Deloitte. On met tous nos comptes sur Internet. On veut que ça soit une église. Je veux jamais qu'on dise l'église MLK, ils se sont mis de l'argent dans les poches de ceci, cela. Ça n'arrivera pas. S'il vous plaît, priez pour nous, mais aidez-nous. Parce que quand même, ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est des personnes, c'est des vies derrière. Lorsque vous semez, lorsque vous donnez votre offrande, lorsque vous donnez votre dîme, c'est des messages qui vont jusqu'au bout de la terre. Je salue tous ceux qui nous regardent et qui sont d'un autre pays que la France. Vous êtes au bénéfice de ceux que des gens ont semé ici. Soyez fidèles, tenez-nous dans la prière et tenez-nous financièrement parce que sans vous, on s'effondre. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On va se lever ensemble. Autour de moi, devant, derrière, autour de moi, tout ce que je vois. Vous pouvez commencer l'intro, commencer. C'est long votre intro en plus. Alors moi pendant ce temps-là, et vous tous qui êtes en salle, vous commencez à dire autour de moi tout ce que je vois. C'est l'amour de Dieu. Lorsque je reçois, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu.
de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.